Jeudi 7 décembre, je viens pour introduire, ouvrir mon calendrier de l'Avent dans les temps, enfin dans les temps, dans mes temps à moi, en sachant qu'il doit être quelque chose comme 9h15. Je viens d'amener le grand à l'école, on est rentré, on a fait tout ce qu'on avait à faire, voilà. Donc je viens ouvrir mon calendrier de l'Avent, je vais aller déjeuner, je vais aller lire, je vais aller faire les choses que j'ai à faire, et voilà, donc comme je suis impatiente, je commence par ça. Oui, voilà, chacun l'ordre de ses priorités. Donc, je reprends mon petit menu et je cherche le numéro 7 qui est à côté du 3 en haut, ici. Et donc, c'est écrit « Pas une, mais un voile à assembler ». C'est ici. Un jour, j'arriverai à ouvrir mes cadeaux sans que quelqu'un le fasse pour moi. Un livre. Un livre ? Vas-y. Oh, c'est gros. Oh, oh, t'as fait tout bouger. Tu veux montrer? Non, c'est de l'autre côté. Trop cool et trop beau. C'est le puzzle qui a fait... Si, je l'ai vu passer. Je sais plus à quelle occasion, d'ailleurs. Je sais plus. Il y avait une occasion particulière, mais je ne sais plus. Et il est absolument sublime. Est-ce que vous verrez la beauté de ce puzzle? Alors, elle a dit qu'il était hyper difficile. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a plein de teintes très foncées. Mais ça me va. Ça me va très très bien. Ah, il est vraiment très beau. Bref, c'est un 1000 pièces. C'est un très beau bébé. Et oui, effectivement, je pense qu'il est relativement difficile. Parce que vous voyez, c'est beaucoup de teintes assez... Je suis désolée pour le reflet. C'est beaucoup de teintes assez sombres. Mais il est si beau. Mais vraiment, il est si beau. Franchement, je suis trop fan, je suis trop contente. Trop contente. Merci beaucoup Pénélope, il est trop beau. C'est trop cool, donc je suis très contente. Merci beaucoup Pénélope. Alors, je sais pas quand je vais le faire. Peut-être que je le ferai quand... à Noël, là, quand tous les enfants seront en vacances et qu'on sera tous ensemble et qu'il y aura ma mère et mon frère à la maison. Peut-être que ce sera l'occasion de sortir ce puzzle. Je ne sais pas, nous verrons. En tout cas, il me fait très envie. Et puis bon, bah voilà quoi, c'est si, hein, je suis une grande fan de son travail. Je la suis sur les réseaux sociaux, je regarde les vidéos qu'elle fait. Voilà, je suis une grande fan de son travail, donc je suis très contente. Je vais vous laisser pour le moment, puisque j'aimerais bien aller déjeuner. Et puis lire, éventuellement, puisque je vous ai fait un point hier soir avant de me coucher. Et il ne s'est rien passé entre-temps de ce côté-là. Donc c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller déjeuner, je vais aller lire. Je vais sûrement un peu ranger, parce que c'est le bazar chez moi. Et puis je reviendrai vous voir quand j'aurai un peu avancé mes lectures, en sachant que j'aimerais bien tourner quelques vidéos face cam. Donc je pense au bilan du Cocorico Challenge par exemple, que j'aimerais bien tourner, et je crois que c'est tout puisque j'en ai déjà une d'avance. Bref, il faut que je m'occupe de ça, je sais pas, je vais essayer de me faire un planning pour voir les vidéos quand je les sors et tout, si il m'en faut 2 ou 3 par semaine, enfin inclus dans les vlogs hein, on s'entend, mais je vais voir ça, je vais réfléchir à ça. Parce que je ne sais pas, il y a le défi lecture aussi qui va sortir un de ces jours. Pareil, on ne sait pas trop quand avec Pénélope. Mais ça devrait arriver. Voilà, donc bref, je parle beaucoup trop, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve encore une fois, il est méga tard, j'ai pas pu filmer aujourd'hui, j'ai à peine pu lire pour tout vous dire, je passe encore ma soirée et ma nuit à rattraper ce que j'ai pas pu lire aujourd'hui, enfin rattraper entre guillemets, il n'y a pas d'obligation mais voilà, bref,
Par contre, j'ai reçu deux livres que je vais vous montrer parce qu'ils sont très beaux et qu'ils me faisaient très envie et que j'en ai parlé assez récemment. Donc, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Au cœur de l'hiver d'Ève Matatia, qui est donc cette réécriture dont je vous ai parlé de La Reine des Neiges, Dark Fantasy apparemment. J'ai lu le. Par curiosité, j'ai attaqué le prologue qui m'a fait très envie, mais je ne peux pas le continuer pour le moment parce que j'ai plein d'autres trucs à lire. En tout cas, ça a l'air très chouette. Franchement, ça me plaît plutôt pas mal et j'ai été très agréablement surprise par la qualité du bouquin, autant à l'extérieur, hein, parce qu'il est très très joli, mais à l'intérieur, c'est plein de petites illustrations et voilà. Et pour ce que j'en ai lu, le confort de lecture était plutôt cool, donc vraiment j'ai très envie de les lire, d'autant que là pour le coup, on est vraiment dans un truc qui fonctionne avec Noël. Je trouve pas pourquoi La Reine des Neiges pour moi c'est associé à Noël, mais soit. Donc, Au cœur de l'hiver, et ils m'ont envoyé un deuxième livre. Qui va sortir demain ou après-demain. Donc du coup aujourd'hui ou demain pour vous, bref, par là. Les chasseurs de prophéties, donc c'est de Geoffrey Le Grand, et je ne savais absolument pas qu'il était en hardback, donc c'était une très belle surprise, d'autant que regardez ça. Il est vraiment très très beau, avec des petites rosaces, etc. Vraiment très très chouette. Alors je préfère la couverture de celui-ci, parce que j'aime mieux l'illustration là, mais le jaspage de celui-ci est absolument magnifique. Bref, pareil, il est avec des petits trucs à l'intérieur, des petites illustrations, etc. Enfin, il y a un vrai travail sur l'intérieur de l'ouvrage, ce qui n'est pas si courant, donc c'est plutôt sympa. Et ici, on est sur une histoire de guilde de chasseurs de prophéties, sur voilà, une prophétie qui date de 1000 ans, le retour d'une déesse, de politique, de truands, de voilà. Bref, un peu dans le pitch de la vieille fantaisie à papa, comme dirait Lorraine des mots de l'imaginaire, et à voir après dans la réalisation ce que ça donne, mais pareil, ça m'intrigue énormément. Et comme vous pouvez voir, ils sont pas très gros, je m'attendais à des pavés, et c'est très très bien, c'est deux one shot, ce qui est très très bien aussi. Donc vraiment très très curieuse de lire les deux. Spontanément, celui-ci m'attire plus, mais je pense que c'est parce qu'on va suivre une héroïne a priori, et que c'est peut-être plus spontanément ça qui va m'attirer, mais celui-ci me fait extrêmement envie aussi, et je suis très curieuse parce que vraiment, ouais, je sais pas, ça me tente à fond. Donc voilà, deux réceptions, bref, je parle beaucoup, je suis fatiguée donc j'ai du mal. Deux réceptions très très chouettes, donc je remercie bien évidemment le Héron d'Argent pour ses envois qui me donnent envie de tout plaquer et de commencer. Mais on va rester raisonnable parce que vous savez que j'ai à l'heure actuelle trois lectures en cours, quatre avec mon VO d'Exploralivre de novembre, on est juste début décembre, tout va bien. Bref, j'ai avancé un petit peu hier soir, comme je vous avais dit que j'allais le faire. Pachinko de Min Jin Lee, je suis arrivée à la deuxième partie. J'avance très doucement, à pas se mentir, mais j'avance. Écoutez, on fait à son rythme, et c'est toujours aussi bien. Par contre, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est triste, et qu'est-ce que c'est violent. Je vais pas trop vous en dire, parce que bon, là on arrive à un moment où ça va commencer à spoiler, hein, clairement. J'ai lu à peu près un tiers, je pense. Non, un peu moins d'un tiers, peut-être un quart. Ouais, plutôt un quart si on est réaliste, bref. Et ouais, c'est quand même assez dur, quoi. On suit Sunja, toujours là où j'en suis à la fin de la partie 1, qui donc est enceinte suite à une relation avec un Japonais qui bah, ne pouvait pas l'épouser parce qu'il était déjà marié au Japon, et qui va donc épouser un Coréen qui est prêtre ou vicaire, ou je ne sais plus, et qui bah, connaît sa situation et l'accepte comme ça, et bref, compte élever l'enfant comme le tien, etc. Mais ce jeune homme est très fragile et que potentiellement il peut mourir à tout instant. Ce qui m'inquiète beaucoup pour Sunja, hein, pour lui aussi parce qu'il est très gentil, mais pour Sunja parce que c'est Sunja qui risque de se retrouver dans une situation très compliquée. Bref, on va voir. Donc je vais continuer ça. C'est vraiment extrêmement bien écrit. J'aime beaucoup la lectrice de l'audio puisque je suis toujours sur l'audio. En fait, c'est terrible parce que j'ai très envie de le lire, vraiment, parce que j'aime beaucoup les poches de chez HarperCollins. Je trouve qu'il y a, je sais pas si c'est la police ou j'en sais rien, mais ils sont hyper attrayants à lire. Mais le fait de l'écouter, bon déjà la lectrice est très chouette, mais ça me permet aussi de faire autre chose, ce qui n'est pas plus mal. Donc je vais continuer ça là juste après. Je vais écouter, je pense, quelques chapitres. Et puis voilà, je vais faire autre chose en même temps. Je pense que je vais continuer ma petite greenhouse. Donc toujours aussi chouette. Je suis très contente. C'est très triste, c'est très dur, mais c'est absolument passionnant. Et je suis très attachée au personnage de Sunja. J'ai continué
Ça, donc on dirait pas, mais j'ai continué, puisque j'ai dû lire, je dirais, une centaine de pages à peu près. Et c'est pareil, toujours aussi bon, intéressant et génial. J'aime beaucoup la manière qu'Octavia Butler a de parler de choses qui existent comme si c'était un espèce de futur potentiel, alors que c'est déjà le cas. Elle arrive à transposer des situations dans, ici, de la dystopie plutôt. Je vous ai dit du post-apo, il y a un côté post-apo, mais la société n'est pas non plus complètement détruite. Il y a encore une espèce d'organisation politique, etc. Donc c'est du post-apo, oui et non. En tout cas, c'est totalement dystopique. Typiquement, ici, on va retrouver des questionnements autour de la politique. Il y a un passage avec un candidat à l'élection des États-Unis, de la présidence des États-Unis, qui n'est pas sans rappeler Trump. Et elle décrit des mécanismes qu'on peut voir à l'heure actuelle à l'œuvre, notamment en France. Je pense notamment autour de l'extrême droite. Et c'est fascinant parce que ça a été écrit dans les années 98. Donc ça fait quand même un petit bout de temps, hein, mine de rien, ça commence à dater. Et elle décrit exactement, vraiment, ce qu'on peut voir, nous, à l'heure actuelle en France, avec l'extrême droite. Donc c'est absolument passionnant, c'est génial. Ça parle aussi de beaucoup de social, en fait, de politique sociale, et à quel point il n'y a justement pas de politique sociale mise en place, et on laisse les gens crever, et on les utilise comme du bétail. Enfin, c'est hyper dur, mais en même temps, c'est hyper important parce que... Je trouve que, encore une fois, et comme pour Xénogénésis, le fait de décaler cette histoire dans une espèce de futur et de prendre du recul, du coup, comme si c'était une situation très différente de la nôtre, permet d'avoir un œil critique sur ce qui se passe et donc sur ce que nous, on peut voir et vivre. Alors peut-être que c'est parce que je suis particulièrement politisée et que j'ai des idées là-dessus et que je me renseigne là-dessus que je vois ça comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je pense qu'on ne lit pas Octavia Butler si on n'est pas un minimum politisé, intéressé par ce genre de sujet. C'est vraiment absolument passionnant et c'est aussi très très dur. Là, on a retrouvé un personnage qui était dans le 1, je n'en dirai pas plus, et qui raconte ce qui lui est arrivé pendant les 5 ans où il a disparu. Et c'est hardcore, c'est très dur. Et en même temps, encore une fois, ça n'est pas sans rappeler des choses qui existent dans le monde. Et c'est ça qui est terrible, c'est de se dire que ce sont des choses qui existent dans le monde. Bref, je reviens très rapidement sur le côté SF. Je pense que, alors je ne pense pas que ça soit dans celui-ci, que ça va vraiment virer SF, mais je pense que ça faisait partie peut-être des objectifs à long terme de l'autrice. Malheureusement, là, elle est décédée brusquement avant de terminer sa saga. Je crois qu'elle avait prévu 4 ou 5 tomes, mais je pense que dans un avenir plus ou moins lointain, elle avait prévu de partir sur de l'ASF un peu parce qu'on évoque pas mal Mars, on évoque pas mal ce qui peut se passer dans l'espace, les recherches et tout. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui se dessinait avec ça, mais bon, malheureusement, nous ne saurons jamais. Bref, je vais continuer ça parce que c'est absolument passionnant. Pas ce soir, enfin, je vais peut-être juste finir le chapitre que j'ai entamé, mais je ne vais pas plus lire ça ce soir parce que j'aimerais bien avancer Pachinko. Mais c'est. Voilà, incroyable. Et enfin, j'ai attaqué ceci cet après-midi parce que ça se lit très très bien et que ça ne demande pas forcément énormément de concentration parce que c'est des petites nouvelles, entre guillemets, où on suit à chaque fois un personnage différent. Donc moi, à l'heure actuelle, j'ai lu Daphné, Arachné, Agave, Callisto et Tirésias. Et c'est tellement, tellement, tellement passionnant, c'est incroyable. Donc ça, c'est aussi un SP que j'ai reçu de la part de la Volte et je dois le lire depuis un certain temps. Et bon, bref, malheureusement, j'ai pas pu parce que voilà. Mais toujours est-il que c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'adore le ton de l'autrice. J'adore son ton. Elle est extrêmement cynique. Elle est drôle. Elle est moqueuse. Elle est critique. Elle dénonce tellement de choses dans notre société qui fonctionnent pas autour du sexisme, du patriarcat. Elle a une façon de présenter les dieux qui correspond tout à fait à ce que je trouve juste, à savoir que ce sont les dieux mâles, des agresseurs, multirécidivistes, égoïstes, violents, le comble de la misogynie et du patriarcat, et c'est ce qu'elle fait, qu'elle montre ici, et c'est génial. On a des personnages présentés qui sont très très forts, très très puissants, typiquement Daphné qui, quand elle est transformée en arbre, qui en fait... elle ne le vit pas comme une punition, elle le vit comme une libération, puisque du coup, eh bien, Jupiter, c'est Jupiter qui la poursuivait, Jupiter ne peut plus rien lui faire, et elle le vit comme une victoire, en fait, de se sentir protégée. Et à toutes les... Alors, c'est hyper moderne, hein. Pas toutes, certaines plus que d'autres, mais il y a des nouvelles qui sont assez modernes, et le langage est très moderne.
Et il y a vraiment des liens qui sont tissés entre des situations typiquement de femmes dans la rue, enfin voilà, qui sont créés, qui sont très évidents, mais absolument passionnants. J'aime la manière dont elle parle des hommes, ça me réjouit, ça me fait beaucoup rire. Et la nouvelle sur Tirésias est absolument passionnante aussi, puisque Tirésias, c'est ce devin qui, pendant 7 années, je crois, a été transformé en femme, bref, une sombre histoire de serpent. Il a été transformé en femme et donc il a vécu avec un corps de femme, voilà, comme une femme, avant de redevenir un homme, et c'est lui qui est appelé auprès de Junon et Jupiter, donc l'équivalent de Zeus et Héra, pour départager qui a le plus de plaisir sexuel entre l'homme et la femme. Et c'était génial parce qu'on a tout son raisonnement et tout ce qui se passe dans sa tête en sachant que bah, il se retrouve dans une situation pas cool parce qu'il doit départager deux dieux, deux des plus importants, et que bah, ça va forcément mal se terminer pour lui. Et donc il réfléchit en toute honnêteté et en fait il met en... Enfin, il pose des réflexions hyper intéressantes en disant que d'un point de vue purement physique, c'est la femme, mais que le problème, c'est que déjà, il faut réussir à atteindre l'orgasme, ce qui n'arrive pas systématiquement quand on est une femme, hein, clairement, et que en plus de ça, en fait, les rapports sexuels qu'ont les femmes avec des hommes, en tout cas, sont toujours ponctués de peur, sont ponctués, enfin, toujours. Pas toujours, mais très souvent, de peur, par exemple, de peur de tomber enceinte, de peur d'être attrapée par, je sais pas, un membre de la famille, de que quelqu'un le sache, l'apprenne, de peur d'être agressée. Enfin voilà, c'est ponctué de choses qui font que c'est rarement un pur moment de détente et de plaisir. Et c'est hyper intelligent la manière dont c'est mis en avant, dont c'est montré, parce que c'est très très vrai en fait. C'est très vrai. Et en fait, il parle du fait que les hommes, bien qu'ils aient un orgasme qui soit peut-être moins puissant, en fait, mais pour eux, enfin, ils se laissent totalement aller à leur plaisir parce qu'il n'y a pas de conséquences à tout ça, contrairement aux femmes. Et c'était absolument génial, passionnant, j'ai adoré. Je trouvais que c'était hyper intelligent, très 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 vrai, très d'actualité, bien évidemment. Et il fait aussi elle fait aussi, enfin, il, Tirésias, mais donc l'autrice, fait aussi un rapport avec le fait que cette réponse de dire que ce sont les femmes amène une espèce de... Comment vous dire? D'autorisation de la part des hommes à agresser les femmes, puisque de toute façon elles prennent toujours du plaisir et que leur plaisir est bien meilleur que le leur. Et bref, c'est tellement intelligent, c'est tellement impertinent, c'est tellement engagé, c'est tellement riche, c'est vraiment une lecture d'une qualité exceptionnelle. J'adore. Je savais que j'allais adorer, hein, j'avais pas de doute là-dessus, mais vraiment incroyable. Donc si vous aimez la mythologie, les réécritures mythologiques féministes, si vous aimez bah, qu'on détricote ces mythes et qu'on donne une nouvelle force aux femmes, une nouvelle voix aux femmes, allez-y, c'est génial. Arachné, c'était génial aussi, parce qu'Arachné, elle se rebelle et elle refuse de se laisser écraser. Et encore une fois, quand elle est transformée en araignée, elle ne le vit pas comme une punition. Et d'ailleurs, dans la nouvelle d'Arachné, c'était passionnant parce que on parlait beaucoup plus cette fois-ci de comment vous dire, de classe sociale. Bref, c'est vraiment hyper engagé, quoi. Mais en même temps, c'est la Volte, je n'en suis pas surprise, mais j'adore cette lecture. Je continuerai ça demain avec grand plaisir et ça se lit tout seul. Franchement, ça se lit tout seul. Vraiment, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Comme chaque nouvelle est assez courte, ça s'enchaîne très très bien. Mais j'avais pas envie non plus de trop enchaîner parce que je prends des notes, parce qu'il y a plein de choses qui sont abordées qui sont hyper intéressantes et que j'aimerais bien avoir des notes pour mon point lecture. Donc voilà. Bref, comme vous le voyez, comme toujours, je suis sur 40 000 lectures. J'ai pas avancé Soif de sang aujourd'hui. J'ai pas demandé à Marion si elle avait lu. Nous reparlerons de Soif de sang plus tard. J'aimerais bien, objectivement, là, mon objectif ultime, ça serait de terminer sur vendredi et ce week-end La Parabole des Talents, Pachinko, Soif de sang, et puis de bien avancer Sirène debout et d'attaquer autre chose. Mais ça, on verra. J'anticipe beaucoup. Voilà. Donc je suis désolée. Encore une fois, c'est un vlog qui est pas tellement étalé dans la journée, mais encore une fois, l'enfant est malade et c'est très compliqué de filmer en journée. Je vais juste vous faire mon petit top 3 des livres que j'emporterai sur une île déserte, qui était le calendrier livresque du jour. Et ensuite, je vous laisse, parce que j'aimerais bien aller lire. Voilà. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, c'était pas facile comme question, et j'ai fini par me mettre d'accord avec moi-même. Je prendrai un intégral du Comte de Monte-Cristo de Dumas, qui est un classique que j'adore, dont j'ai déjà parlé, que je trouve génial, qui en plus est une pavasse, qui prend du temps à se lire et c'est parfait pour une île déserte. Je prendrai ensuite un intégral du Seigneur des Anneaux. Oui, moi je suis une tricheuse, c'est comme ça. Je prendrai un intégral du Seigneur des Anneaux parce que je pense, encore une fois, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, que je pourrais le relire
un nombre de fois incalculable, donc je pense que je prendrais ça. Et il me faudrait un bouquin de SF pour faire bonne mesure, et je pense, après avoir pas mal réfléchi, j'ai hésité longuement entre Anne Leckie et Becky Chambers, j'ai fini par opter pour un Anne Leckie parce que j'ai vraiment... J'adore Becky Chambers et tous les livres que j'ai lus d'elle étaient soit d'excellentes lectures, soit des coups de cœur, mais j'aime tellement Breck dans la saga de l'Ancillaire que je pense que je ne pourrais pas me séparer de Breck. Je pense que je prendrais le deuxième tome qui est mon préféré si je ne devais en choisir qu'un, mais si je pouvais prendre un intégral de la trilogie, je prendrais un intégral de la trilogie. J'ai adoré, je ne les ai pas d'ailleurs et j'aimerais bien me les acheter parce que j'ai très envie de les avoir et j'aimerais beaucoup relire, surtout le 1, parce que je pense qu'au moment où je l'ai lu en début d'année, j'étais pas aussi à l'aise en SF et je suis passée à côté de certaines choses. La lecture était un peu complexe donc j'aimerais bien le relire. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va pas être trop long parce que bah, c'est pas trop l'objectif des Vlogmas. Normalement, vendredi, je sors une vidéo plus classique. Ça sera pas le cas, bah, du coup, dans cette vidéo-ci. Je ferai ça peut-être ce week-end ou peut-être que lundi, je sais pas trop. J'ai pas fait le point des vidéos que je dois vous tourner. Mais nous verrons ça plus tard. Là, on va rester sur ça. Je vous laisse, je pense que j'ai bien trop parlé, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!